Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on continue notre petite série. On arrive au bout, hein. Donc là, aujourd'hui, c'est la Capricorn, calme. Donc, en traduction, je dirais que ça veut dire calme. Voilà. C'est aussi une illustration que j'aime beaucoup. Capricorne, c'était le signe de mon papa. Donc ça me fait beaucoup penser à lui et les teintes. Voilà, autant vous dire que j'aime déjà les teintes. On repart dans du vert kaki. Quoi vous dire? Alors ici on a un ratio de 1, 2, 3, 4 mats. On a un 7, donc les 4 mats au-dessus. Un satiné ici, mais à mon avis il tire sur le mat. On a deux irisés et un peu plus pailleté. Voilà, donc c'est très intéressant. Et j'ai hâte de plonger mes petits pinceaux dedans. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque. Donc, je vais commencer avec un pinceau biseauté. Alors, attendez. Biseauté, j'ai dit. Voilà. Et je vais commencer avec la teinte Creature of Comfort. C'est ça? Ouais. Ici, le marron grisonnant froid, comme ça. Là. Il a l'air juste sublime. Merde, j'ai pris un pinceau pas biseauté, j'ai pris un plat, tant pis, on va essayer de faire ça. Donc je fais ma forme un peu plus haut que mon creux. Et je vais faire une forme de cut crease. Voilà. Et je redescends jusqu'à mon racine. Je vais en profiter pour faire mon racine tout de suite. Bon, d'ailleurs, je vais repartir en bascule externe. C'est longtemps que je ne l'ai pas fait. Enfin, longtemps. Tout est relatif avec moi. Hein. Je ne vais pas en faire une trop grande. Voilà. On peaufinera tout ça après. Alors, ensuite, je prends un petit pinceau bouboule. Je prends la même teinte. Et je vais commencer à estomper cette teinte-là, tout simplement. Donc, je estompe que l'extérieur. Sauf ici, je le fais en dessous. Des explications de fou encore une fois. Alors je prends un pinceau un peu plus estompeur, je vais prendre le Motivate pour dégrader un peu mieux. Donc je refais exactement la même chose. Bon là ça fait une babarde, mais c'est normal, vu que je l'ai mis au pinceau biseauté, ça garde un côté graphique. Je prends un autre pinceau biseauté un peu plus précis et je vais prendre le Goal Getter, donc qui est le Kaki. Et je vais refaire exactement la même chose, mais un peu plus, enfin juste dans mon creux quoi. Ici, je reviens vers le centre de l'œil. Ok, et ici, je vais refaire aussi une bascule. On est pas mal. Donc je suis mon petit pinceau ball et je reprends la même teinte pour dégrader vers l'intérieur. Ok, bon, mes bascules sont pas vraiment similaires, mais c'est pas très grave. Alors je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Morals ici. Je mets sur la moitié externe de la forme que je viens de faire. Cette teinte est magnifique. Je blende sur la paupière. J'en prends avec la tranche pour mon racine externe. Ok, alors j'essuie mon pinceau et je vais passer directement à la teinte. Je ne sais pas lire. Franchement, la teinte, ça a l'air d'être un nom super bizarre et je ne sais pas lire du tout.
Et je mets à la suite. C'est beau. Alors j'en prends aussi pour dégrader ici. Ça va rajouter de la piotte. On fait les bidouilles. Allez. Alors par contre pour le coin interne, j'ai plus rien. Tout simplement. Alors je vais quand même continuer mon ras de cils. Du coup je vais prendre celui-là qui s'appelle Worldy, je sais pas. Il est foncé, hein. Je reprends ce pinceau là pour dégrader. D'ailleurs, je vais reprendre un tout petit peu du ici pour bien dégrader. Voilà pour les fards. Alors en coin interne, je vais mettre l'alignateur que j'ai mis ici, donc le KVD. Et trait de liner noir, mais je pense que je vais essayer de redessiner ma forme ici. Quoi que j'ai envie de la laisser comme ça. Peut-être juste faire l'externe ici. Je sais pas. Je vais voir. En muqueux, je vais mettre le kaki de Jeffree Star. Sur les lèvres, je vais mettre le nude 2 de chez Nabla et le Posh Spice. Toujours le Jeffree Star. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la palette juste après. Donc voilà, le look final avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Le liner j'ai fait avec le mat de LA Girl, LA Colors, pardon. J'ai rajouté du liner pailleté pour achever mon creux ici. Ici, c'est le W7 Metal Flash en teinte iridescente, je crois. J'ai remis de l'highlighter ici aussi, dans la pointe, là, en coin interne, sur mes petites chenilles, et voilà. Et le combo pour les lèvres, alors j'ai légèrement overliné ma lèvre supérieure, parce qu'il glisse tellement tout seul que nous aura. Mais alors, combo parfait avec le Posh Spice. Et le crayon, c'est donc celui-ci de chez Jeffree Star, c'est le Resting Rich Face. Que j'adore, c'est un cadeau de Manon et je l'adore, c'est le seul kaki que j'ai. Alors la palette, j'adore, voilà. Après il n'y a pas de surprise, c'est du vert, il y a du kaki, donc autant vous dire que c'était vendu d'avance, qu'elle allait me plaire celle-là, hein. Voilà, micro coup de cœur. Et cette teinte là est juste sublime, celle-là aussi d'ailleurs. On n'a pas testé celle-ci et le chaud ici, le marron un peu plus chaud. Mais sinon, on a quand même utilisé encore une fois 6 teintes. J'ai une bonne moyenne, au moins je dis. Donc voilà, gros coup de cœur sur celle-ci aussi, mais après je le savais puisque c'est du kaki. C'était couru d'avance. Demain, on s'attaque à mon signe, enfin, avec le Ambitious Aquarius. Voilà, le Verseau. Donc là, demain, ça sera du bleu. Quoi qu'il y ait un gris. Un taupe un peu gris argenté et un argenté ici qui est juste sublime. Alors ici on part dans un autre ratio, hein. 1, 2, 3, 4, 5 mats, 2 satinés et un irisé. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de tester celle-là, ou celle-là en fait, et celle-là. Et on verra bien. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire demain, mais voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez toutes les autres vidéos de la collection en barre d'infos. N'oubliez pas qu'on approche de la dernière et il y a une petite surprise pour vous dans la dernière vidéo. Dites-moi si vous allez acheter cette palette, si vous l'avez déjà, peut-être. Si elle vous donne envie ou pas. Enfin voilà, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve demain pour s'attaquer à mon signe. Et en attendant, moi je vous dis bisous.